parti. Final winner. Allez, Abdes versus Justin Wong. Abdes. Et voilà, donc Justin Wong qui joue le show en rouge, alors qu'en bleu, on peut suivre avec Abdes. Abdes en bleu pour l'instant, Abdes qui presse, il ramasse la boule, Abdes qui recule avec le Aldo, attention, Justin Wong rouge qui trouve le dive-kick, dive-kick Justin. Justin qui presse, ça c'est dans la garde, il fait casse-garde au loin. Pour l'instant, Abdes qui ramasse, Justin Wong qui passe le combo avec le bas gros point, le flat-kick derrière, attention, la boule en mid-si. Et Abdes qui claque le flat-kick, donc il fait office de dragon dans le casse-garde. Et voilà la super en l'air, la dragon bomb qui compte. Justin Wong qui prend l'avantage. Pour l'instant, c'est chaud pour Abdes qui passe. Allez, allez, Justin Wong qui prend le premier round. Je vous l'avais dit, ce perso est machiavélique. Ouais, il est chaud. Il a décidé de le sommet de l'histoire des sommets. Ah, ouais. Il a sommet en allez. Colon. Justin Wong qui passe la super. Il joue plus d'hier et je vous rappelle que Abdes est champion en titre pour l'instant qui ramasse contre l'Américain. C'est très chaud pour Justin qui saute avec sommet. Le sommet invincible en l'air. Hein, sur la vie. Ouais, encore sommet. Invincible. Dans cette finale winner alors qu'il était largement dominé. Justin Wong, waouh,
Je sais où quelqu'un est en tapé avec le combo flat qui permet de remettre dans le coin la boule en bêtise. Je sais où avec la charisane. Les phases, ça punit du côté d'Abdez, mais il n'y avait pas de super, et ça c'est bien dommage. Attention, Abdez, voilà, avec le dive, passage dans le dos, cross-up s'est gardé, Justin, on voit, tu vois, il n'y a pas de super, il a pas fait la super, il a gardé la super, avec Abdez rate pas, la chope, Abdez est bien joué, attention à la retombée, il fait le dive, avec la super derrière, évidemment, pour être tranquille, voilà, Abdez qui revient, pas de match pour les deux joueurs, Abdez. Donc Justin Wong, attends, c'est pas terminé pour l'instant. Abdez qui joue donc le kimono rouge, fallait le savoir, on a vu une petite inversion de joueur au début de ce stream. Pour l'instant, attention, Justin Wong qui passe la boule, ça passe pour Vinci. Avec le cross-up, c'est gardé par Abdez qui pour l'instant comme clair, il bloque la boule. Mais c'est pas parti pour l'instant. Abdez qui saute dans la boule avec B, avec le son gros qui passe en jumping, flame kick, avec la boule pas en fait boule en Vinci. Il dive directement dans le coin, avec le pressing, le caravan, kick, check qui passe complètement dans le vide. Et voilà, le souffle direct, la dragon sur le tirage. C'est pas grave, Abdez qui continue de presser, Abdez qui passe. Inversion des noms, il y a eu une phrase sur la bande. Abdez qui est habitué à tuer de l'étranger quand même, parce qu'il avait tué, quand il avait été champion, il avait tué en finale Wata, le célèbre joueur de Garlon. Et il avait déraillé en finale Abdez, notre champion interstellaire de France. Et donc là, instinct, le Parisien qui va revenir pour tenter sa chance. En loser bracket, et on va pas vous le cacher, Instinct joue chaud. Sauf que cette fois-ci. Il est peut-être d'une autre couleur. Ça changerait un petit peu. Alors, Instinct qui doit. Mais c'est ce qu'il fait quand même. Là, il déraille le perso. Mais il a pas tant, il joue chaud, ils ont juste qu'à inverser les places. Il fait star, mais il prend chaud. Il a peut-être sa couleur, hein. J'en sais rien. J'en sais rien, moi. Allez, il va rajouter des crédits, je pense que c'est pour ça. Allez, chaud. Allez, je sais pas qu'il y a un B de B, mais je suppose que Instinct, alors, comme Abdez a gagné et il a envoyé Justin en loser, mais comme tout le monde joue chaud, c'est difficile, mais en tout cas, ça joue, ça c'est sûr, ça joue. Oh, il l'a mis stun. Tcha, c'est qui là alors? Justin Wong, il est premier et d'accord, Instinct est de B. Voilà, tchat. Il y a 0. Il y a 0-0, hein, c'est ça quand on commence, souvent il y a 0-0 au début. Ouais, c'est attention. C'est la voix du Stonefest, tu commences avec un match là. Oh oui, le cross-up. Bien joué, ça tue. Et Instinct qui revient après un premier round. Il est là, où il a travaillé. Vous remarquez donc des persos qui se jouent avec le même mind game. Ils se jouent avec le cœur. C'est quand même un grand jeu, mais bon, c'est le hasard du tournoi. Pour l'instant, avec Instinct qui continue de presser. Justin Wong qui copie, qui charigale parfaitement les phases de Abdez. Pour l'instant, Instinct. Et Instinct, quelle réaction de Justin Wong avec cette furie qui passe à travers tout. Comment il savait ça, mais il ne le savait pas. Avec Justin Wong qui continue de presser dans le foin avec la dive. Pour l'instant, Instinct qui bloque le casse-garde. Mais c'est pas grave parce qu'on peut faire casse-garde. Boum! Avec le saut B qui est totalement unleashed et qui mange le flat kick. Justin Wong pour revenir l'américain. Pour l'instant, il est bien l'américain. Et il prend le round au Parisien. Un round partout. Ah, c'est moi, bah oui, un round partout. Sauf que là, Justico, il n'a pas de super. Je sais pas, il faut qu'il fasse de la super un peu, histoire, voilà, c'est bon, là il en a, oh oui, superbe réaction là, sur le dive kick, le flamme kick dans le jeu, là il craque un peu son slip tout seul, il a envoyé la touche écossaise de l'autre bout de l'écran, je sais pas pourquoi, il est gagné, Justin Wong qui campe un fidèle à ses valeurs, il est gagné à tous les gens, il est connu pour camper, et là, là quand même, la face à chaud, à un moment faut attaquer, c'est attaquer ou être attaqué, là, ça paye pas, il est superbe 1-0 là pour Instinct. Bien joué. Alors l'avantage de Breaker, c'est que c'est un jeu, la preuve de Justin Wong, tout le monde peut faire comme Justin Wong et apprendre à jouer à ce jeu en deux jours. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le prochain tournoi. Tout le monde peut faire pareil. Alors pour l'instant, donc, quoi. C'est sûr que c'est Instinct qui est en premier. Je pense qu'on a inversé les deux, hein. C'est la blague des tournois. Hein. Parce qu'en fait, il y a une image sur la bande, et j'ai vu un spot qui était un P.
Bon, ben, je... voilà, ça joue en tout cas, ça joue chaud. Ça c'est sûr. Oui, la rembouille, superbe face passée dans le dos, dommage, il n'a pas comboté derrière. Ouh là là, le sommet qui a touché, et la Nef qui peut faire que ça, quoi. Pourquoi pas. Tiens, donc c'est bien Stock qui a gagné le premier match, hein. On est sûr. Alors il faut savoir qu'en fait les joueurs ne jouent pas sur la scène, donc il y a quand même une belle perso. C'est parfois. Ouais, c'est pas évident de savoir qui est qui. Avec Marie-Ange, on a réaction de Justin Wong. Voilà, je pense qu'il Justin Wong a la réaction, il a le bionic. On voit l'expérience des jeux de combat du genre américain qui s'est dit, on m'a donné Ryu avec tous les pouvoirs et pour l'instant ça se passe plutôt bien. En fait, si vous voulez, Breakers avec Cho, c'est un peu Son Goku en Saiyan 8 et ça se voit tout de suite. Voilà, Flash qui est complètement en Breakers, pas de Breakers, voilà, dans la boule. Instinct qui recule pour l'instant, avec le dive pressing de Instinct, derrière, ouah, Justin Wong, on peut pas venir comme ça. Instinct qui est complètement rebourré, pour mettre la super avec le Mitsi, ça c'est dans la garde, Justin Wong qui voit tous les casse-gardes, et le fan kick, magnifique Justin qui revient, pour l'instant pour revenir à un match partout, pour empêcher une finale, 100% France, 100% du terroir, et le sauvé, avec la super derrière, et Instinct à un match de se qualifier pour la grande finale. Voilà, de Justin Wong. Et Justin Wong en difficulté pour l'instant contre les chauds français. Par exemple, il joue depuis un peu plus longtemps, hein. il faut quand même le reconnaître. Voilà, pour l'instant, Justin Wong, c'est qui trouve le combo. Voilà, regardons, et oui, on peut faire. Il a fait. Boule super, voilà. C'est pas un problème. Ça enlève pas trop, mais ça on met dans le coin et après tu peux fesser. Exactement. Voilà, bah oui, la fois l'autre, il a fait gros point. Ah ouais, envoyer un peu des points comme ça. Il a fait gros point, les cas, ça fait plus mal que le combo être super. Ça veut rien dire. C'est aussi ça la logique de Breakers. Faut savoir aussi, il n'y a pas de combo au sol. Hein. Normalement, tu peux mettre des super dans les combos. Voilà, comme ça. Et ces pressings-là, elles n'existent pas trop. Et je pense que Justin Wong vient de s'en rendre compte et ça peut être une information. Alors faut qu'il arrive à le tuer sur vous là, parce que pendant que la formation n'est pas très bien montée au cerveau. Ouh là là, ça va être chaud. Alors, qui perd. Pour information, quelques infos sur Breakers. Vous avez chaque personne des coups qu'on appelle des Breakers, qui vous permettent de casser les faux combos des adversaires. Ouais. Il y a des combos qui peuvent pas être cassés, et il y a des combos où vous pouvez mettre des Breakers dans les combos, et donc c'est pour ça que parfois vous voyez des Fury ou Random partir. Je suis pas sûr qu'ils le fassent. En tout cas, c'est Instinct, il sait quand breaker les combos. Il y a un autre truc dans Breakers, si vous attendez longtemps avant de taper, les prochains coups que vous ferez feront beaucoup plus mal. Donc la camp paye. Quoi ? Je savais même pas, il y a tellement de stuff. Et voilà, pour l'instant, Justin Wong qui reprend alors qu'il était dominé. Justin, ouah, c'est trop bête qui voulait rien dire. Avec le dive kick qui fait également cross-up, sinon ça serait trop facile. Justin Wong qui s'est pris la Dragon Ball avec. Et j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Pour l'instant, et voilà, Instinct qui continue la double essai. Son gros pied. Dommage, purée, là il était tellement bien, super ennemi. Ah, ça oui, en plus, il peut être super dans le vent. Allez, c'est bon, il a mis les flammes qui là. Oui, il y a une grosse up de dive kick. Il est dans le coin, sauvé en gant. T'es obligé de kiffer ça. Je suis très pressé à l'infini. Il en fait trop. Justin, il s'en fout, hein. Il claque les fumées. Oh là là, ouais. Et oui, vous pouvez faire solade kick super, on confirme. Le light kick, il fait également cross up. Ah ouais, là, il est en train de craquer son slip là. Justico, reste avec nous. Voilà, merci. Regarde la barre. Ça fait plus mal que super. C'est ça. Là, il presse, bavé, mais c'est ça, ça mène à rien. Oh là là, il est obligé de s'effiler son soin avec la super, oh là là, ça m'a tué ça. Alors, voilà, il sait pas, ça gratte pas, les super, on peut pas tuer en gratte avec des super dans ce jeu bien fait. Et pourtant, Justin Wong bien gagné de Simon. Revient pour affronter Abdes, mais entre temps il a fait deux matchs de plus, porte son total à 10 matchs. Voilà, et il a appris quelques trucs qui ont servi à l'instinct sur ses adversaires arrivés jusqu'à ce niveau-là, et qui du coup se viennent de se transmettre à Justin Wong. On a le téléphone de The Dead. Voilà, on a son téléphone, donc il est avec Waldo. The Dead, si tu cherches ton téléphone, il est avec Waldo. Voilà, donc tu peux l'appeler pour le récupérer. D'accord, Abdes, c'est player 2. C'est une grande finale en 3 matchs.
Alors, je pense que monsieur Karaté, tu seras d'accord, il y a une analogie à faire avec Dragon Ball, hein, bien évidemment, puisque celle, donc Justin Wong, le robot parfait, perfect Justin Wong, est de retour et il a appris toutes les phases de son Goku. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il faut voir si, je ne sais pas, Son Gohan va faire son apparition. Alors pour l'instant, Abdes hein, qui continue de dominer. Regardez, Abdes tout de suite, le flat kick avec le bon timing dans le dive de Justin Wong qui est en bleu, hein, premier player. Abdes avec le flat kick, il confirme avec le back au pied pour continuer le mix-up avec le casse-garde qui passe, il saute sur place, il mange back au point, death kick, death kick. Abdes, Justin Wong il l'a vu, mais pas la super derrière pour l'instant. Faut savoir que Abdes c'est un grand coffeur hein, et il connaît aussi ça, c'est un truc de coffeur. Quand on te passe dans le dos, bah, tu fais l'antillère dans l'autre sens et si ça passe quand même. Ça c'est un peu moins coffeur, mais ça a été mal fini. Donc c'est bien joué. Voilà. Tchit. Il presse dur là, oh, dommage, il a voulu l'antillérer avec ça. Oh, le sommet qui passe, c'est bon, il avait pressé que cette fois-ci il va se faire U. Voilà, bien fait, bien joué ça avec le bon timing. Oh là là, c'était super ambigu. Bien joué, t'es à plus vite derrière le dive qui se retrouve. Et un bon pif. Il a pris la France, il sait maintenant. Il a compris que. Alors, Justin Wong pour l'instant un partout, mais il doit prendre 3 matchs à Abdes pour éventuellement faire le reset bracket. Justin Wong qui sort de la loser. Pour l'instant, Abdes, peut-être pour garder son titre. Voilà, Abdes il continue puisque son adversaire il mange pour l'instant. Ouah, il est un petit peu lent, Justin Wong là-dessus. Abdes avec le standing gros pied, ça continue de presser avec ma gros pied boule. Encore standing point boule. Il s'enfuit, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il voulait faire la boule. Ça a dû inverser ou ça a dû rater quelque chose. Voilà, Abdes entière avec le flat kick. Justin Wong en difficulté déjà sur ce premier match. Abdes qui continue de presser. Justin Wong qui voit le casse-garde qui met un. Je vous avais dit, il avait un coup. Il reviendrait plus fort. Bah, c'est pas la bonne idée. Et Abdes qui prend le premier match, peut-être la fin de ce tournoi main event avec Justin Wong, où Abdes nous aura sauvé d'une arnaque totale, où Justin aurait pu dire je viens à un tournoi, je joue et je gagne. Tu vas nous porter malchance là, faut que Abdes il tue, parce que là il lui a pris tout plein de trucs, faut qu'il ressorte de nouvelles phases, là pour s'en défaire de la stipo. Ah oui, bien joué ça, bien joué. Je l'ai relevé. Oh là là, un Nantes, ça joue sévère quand même. Breaker, il fouille bien. Reste le garde-le dans le coin, voilà, il est bien. Ça fait des combos safe. Gros point. Et là, il y avait une Jugger, elle a super. Oh, il a mobilisé dans le coin. Qu'est-ce que tu fais? Descends, Fury. Aïe, 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 bien joué ça. Aïe, ça s'arrête jamais. Abdes, il est sur toi, c'est la glu. Bien joué ça. Abdes, passé en mode super Gun 3. C'est super Saiyan 3 et en collage. Ah oui, parce que tu peux faire Death Kick Cancel super. Ah oui, mais sinon il aurait pas tous les pouvoirs, le gars. Voilà, le perso qui a tous les pouvoirs. Pour l'instant, Abdes qui domine, puisqu'il mène toujours un round à 0. Le Death Kick n'est pas passé. Oh là là, deuxième mon petit puni avec la boule. Évidemment, on confirme super, on peut faire ça. Oh ouais, je viens en bouillé. Pourquoi pas avec le Death Kick. Vous voyez, regardez, il saute, il attend le dernier moment pour faire le kick. Ça empêche les flat kicks de le casser. Abdes qui joue très bien, il connaît évidemment un petit peu de jeu. Avec super derrière, oh, qui a montré plus bien, parce que cette super est safe. Sinon, ça c'est pas drôle. Le dive, ça s'arrête un petit peu avec le dive. Et c'est pas grave, pour être bien safe, Abdes qui se pose pas de question. Justin Wong, attention, Justin Wong, 3 super. Justin Wong. Et quand t'es au maximum, tu tapes plus fort. Ah oui, les coups spéciaux tapent plus fort. Bah oui, parce que vous voyez la barre de maximum. Commence à clignoter, vous lui dites ah c'est quoi la max? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de max. C'est juste que quand t'es en maximum, tu fais plus mal. Bien joué, superbe show. Avec un petit setup, il s'était perdu dans l'histoire là. Ah, il a voulu le faire le mot qu'on glisse tout à l'heure, ça marche, mais à moitié là. Je rappelle que derrière tout le coup en l'air, il y a un super free jugger là. Je sais pas ce qu'il attend, peut-être qu'il veut la faire quand ça tue. Oh, oh bien joué. Oh là là, oh oui, oh dommage, ça a dû passer. Il a tué le caméraman derrière, il a pas tué le show. C'est dommage, ça a tombé là. Bien joué, Justin Wong. Oh non, il rate le combo. Alors qu'il avait gagné, bien joué, il reset encore. Et le confirme en l'air, bien joué. Tu remarques que le soleil qui casse la super invincible. Le soleil qui fait tout. C'est ça, c'est Papier Caillou, ils sont sur la
clique. D'ailleurs, pour ça qu'on dit solid clique, Wallace. On reprend, là c'est du rematch. Pour l'instant, un partout, mais Justin a un reset à faire. Justin qui apprend vite. Regardez cette phase, il a fait le dead kick à la bonne hauteur. Regardez, attention à l'agression. Pour l'instant, la tête qui sur son adversaire. Il fait saut vite, sans doute pour faire pas kick à la relevée, mais Justin qui voit tout. Oh là 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 là, Justin en mode super sel. Justin qui revoit tout pour l'instant, attention. Il est en difficulté, la Abdes. Abdes qui revient avec la kick, la kick. Justin qui saute avec l'arrière du show. Dive kick, ça passe. Un pâton combo Abdes. Regardez la barre, tout ça, fait convoquer. Ouf, il a fallu le voir. Non, il a fait ça, Justin. Sur le support que Justin monte là. Bon point, voilà, ça c'est safe, on est bon, on continue. Voilà, ça c'est safe. On a plus de super, mais c'est pas grave, il faut aller presser pour recharger. Voilà, bien couvrir là-dessus. Sinon, ne fait pas la super. Un petit flat clip là, mon ami, ouais. Là, un peu de points et on va discuter. Oh, une belle garde là, du casse-garde là. Il a encore une super, voilà, tu n'apprends pas à jouer ça. Oh oui, ça avait touché. Ah, le zone, il a rien fait, il est médusé, ça y est, c'est loin, il ne laisse plus faire flop pick en entière. Il est fait en pif et il perd. Abdes, donc il est à un match de la victoire, un match. Comment? C'est en 3 là? C'est en 3. D'accord, ok. Oh là là, c'était bien si c'était en 2 hein, quand même. Je vais pas aller leur dire on fait ça en 2 au final. On fait ça en 8. Voilà, on a déjà gagné. Allez, pour l'instant, Abdes qui mène 2 à 1 et peut-être le match point. Abdes, on a Justin Wong qui presse, qui confirme. Il rate, je pense, son vrai gros point. Pour l'instant, Abdes qui presse avec gros point boule parce qu'on peut faire ça. Le dead kick qui passe. Voilà encore avec ce dead kick. Très très bien joué de la part de Justin Wong qui est très bien revenu là-dessus. Justin qui doit absolument revenir à deux matchs partout. L'américain, il joue que depuis hier, il a déjà un show exceptionnel. Et Abdes, vraiment à l'expérience, mais Justin Wong a le shuriken parfait. Abdes, qui rate pas. Le bon, regardez la barre que ça arrache. La barre. Voilà, Abdes, qu'il faut. Allez, Justin. Voilà, ça passe pas. Ça passe pas dans les boules. Ça passe pas dans les boules. Justin qui pense que tout marche en jeu, mais il a raison, quelque part, on ne peut pas lui reprocher. Peut-être le match point pour le français. Mais Justin qui démérite pas, voilà, ça c'est bien. T'as parlé de Justin avec le dev qui passe. Justin qui presse, mais c'est pressing du mal qui n'existe pas, mais qui fait. Voilà, oh, wow, dans les casse-gardes. Justin qui chope, Justin qui a l'œil bionique. Il voit toutes les frames là. Il connaît pas la frame d'Ata, mais il l'improvise. Voilà. Et voilà, Justin Wong qui place son combo, ça c'est parfait. Oh là 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 là, mais comment il a bloqué ça, Abdes? C'est n'importe quoi. Oh là là, il a retenté la même chose. Il fait des instants de cross-up. Là là là, il y a entier. Ah c'est chaud là, faut qu'ils finissent. Ils sont tous les deux au maximum de leur puissance, de leur consommo énergie. Faut qu'ils finissent. Voilà, course, flame kick, ça a fait entier ça. Ah là là, dommage, ça c'est dit. Au cas où tu veux en tirer au flame kick, tu prends la super. Non, ça c'est zéro, Justin, hein, tu m'arrêtes ça. Voilà, bien joué. Yeah. Vas-y, voilà, reste là, c'est bon. Là il gère, il mène bien, il est bien. L'autre, tu l'as balancé toutes ses super. J'ai pas fini, il a craqué son slip, Justin. Ah mais faut punir bien, voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ces combos d'un coup là? Tout d'un coup, faut faire des vrais combos. Voilà, merci. Oh, elle est pas mort. La boucle qui va gratter. Oh là, il a gagné. Tu remportes. C'est ça, le gars. Une concert au titre. Le Stunfest. Abdes vient sur scène. Oui. Justin, instinct, venez tous sur scène. Abdes. Oui, t'avais bien. Oui, oui. Allez, Justin. Abdes. NTSC Abdes. Il y avait plus de fourberies que Justin Wong. Non, que Scapin. Ouais, bah, Scapin Wong. Bien joué. Alors, quand ça. Même, t'as remarqué, je pense qu'encore 3 matchs, et Justin ouais, Wong. Ouais, c'est pas ça. Quand j'ai dit ça en 3, j'étais bizarre, mais c'était sous-estimé le champion, qui bien sûr, lui, a Abdes, pu faire chaud toute sa vie. Si tu sais pas faire chaud dans ta vie, bah c'est chaud. Tu peux pas gagner à Breakers. Qu'est-ce qu'ils font? Alors voilà, on accueille donc nos stars du moment. Alors que après c'est Tekken Tag 2, on Abdes. Abdes, mais non, mais.
Tu t'embrasseras tes femmes après, hein. Parce qu'il a des fans, hein, attention. Alors, Hades, on peut l'applaudir, le nouveau champion. Et oui, maintenant vous pourrez dire Justin Monk ne gagne pas en France. Voilà, c'est bon, ça. Breakers, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ben oui, et Wata, il est venu. Faut bien qu'on gagne un jeu. Oui, on l'a dit. Hein. Allez, instinct, on l'a dit, t'inquiète pas. Justin, il a tué Justin. Wata, donc il tue les étrangers à son jeu. Merci Abdes, un petit mot, une petite dédicace. C'est quoi les noms pour Breakers? Merci à tous ceux qui me soutiennent. So. Un gros merci à mon papa de l'RTC, Jean-Yves Garignon, et à tous ses membres, bien sûr. Et merci les gars d'être venus avec moi aussi. Merci à tous. Abdes, qu'est-ce que t'as pensé de Justin Wong, qui en deux jours a déjà un show à la fraise, hein? Franchement, je pense qu'en 2-3 jours après, je pense qu'il peut prendre le dessus sur moi. Non, vraiment, il a une capacité d'analyse vraiment extraordinaire. Là, ça m'a vraiment impressionné. Là, vous avez pu le voir, hein, au début, je gagnais tranquille, un peu à l'aise. Mais à la fin, non, c'était vraiment tendu. Il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas et c'est ce qui m'a permis de gagner. En tout cas, bon, voilà, merci à tous. Et puis, j'espère que vous avez bien apprécié cette finale. On peut l'applaudir, le champion en titre. Merci pour le Et on peut vous annoncer l'organisation bientôt au Versus Dojo d'un Breakers X-Mania sur le modèle Street X-Mania. Et oui, 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 avec du solo, du 3v3 et du cash price. Suivez les annonces pour que tu reviendras remettre ton titre en jeu, éventuellement au Breakers X-Mania. Information à suivre au Versus Dojo. Si je peux, ouais, effectivement. Voilà, so Justin, he says that if you have played the game 2 more days, you may have won, because you learn very fast. Wait until next year. So you will be back next year. You say that? Revenge next year. Il annonce qui sera Justin Wong sera au Stock Fest l'année prochaine pour Breakers, juste pour Breakers. Merci. Il jouera pas aux autres jeux, il l'a dit. On peut l'applaudir parce que quand même en deux jours, c'était quand même un sacré. Alors, instinct. C'était un jour de trop. Un jour de trop pour Justin, c'était compliqué. Ah, c'est un petit peu comme le match contre Abdes, c'est-à-dire que j'ai gagné assez facilement le premier match. Et après, au fur et à mesure, c'est adapté à mon style de jeu et voilà, il m'a eu. Les trois matchs étaient deux. Et il n'avait pas sa manette. Pas ma manette. Voilà. Ah. On va rouler dessus, ça. Et puis, t'avais pas l'été pour appuyer sur plusieurs boutons en même temps, ça sur un bouton, tout ça. Ouais, ouais. Ah, faut dire aussi Abdes que vous voyez ici, hein, il ne le dira pas parce qu'il est, il est assez sympa, mais c'est un grand dessinateur, hein, je pense, on peut le dire. Il a sorti un manga sur le handball, voilà. Donc si vous le trouvez, GG, voilà. Il faut l'acheter, c'est du lourd. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi donc ce tournoi Breakers. Il faut savoir qu'il y avait autant de joueurs à Breakers qu'à la plupart des très gros tournois. On était 64, hein, 64 foules. Non, mais en fait, c'était fermé. C'est, hein, parce c'était, que c'est ça. On a refusé 300-400 personnes. Hein. Environ. Les places échangées au marché noir, ils le sont même. J'ai entendu une place version Jap avec c'est le Sunflight, là, sur le côté, vendu à 30 euros. Environ. Le matin, 3000 le soir. Hein. Voilà, c'était Breakers. Merci à Troïc Combo Stunfest d'avoir permis de donner une telle place à ce jeu qui mérite. Il n'y a que Troïc et Rain pour vous offrir Breakers sur la grande scène. Tout de suite, on passe à Breakers en 3D. Ça s'appelle Tekken. Merci à tous. Cherchez les lots, hein. Il y a des lots, hein, pour Breakers, hein, ce magnifique jeu, vous inquiétez pas, c'est un vrai jeu. On va les voler, hein, peut-être, on va l'attendre. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!